Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour des nouvelles de mes animaux parce que ça fait un petit moment, donc je vais commencer par les cochons d'Inde. Donc mes femelles vont super bien. Voilà, donc Ambre va super bien. Kofi, elle est cachée dans le tuyau. On peut voir la tête ici. Elle va super bien. Là, ça fait depuis lundi soir qu'ils sont séparés, qu'elle est plus dans la même cage que ses deux fils. Et le premier soir a été dur, on va dire. Enfin, ils s'appelaient et tout. Et maintenant, ça va super bien. Donc voilà. Je vais changer la cage juste après. Mais je préfère faire la vidéo maintenant, tandis que parce que comme ça le temps qu'elle se mette en ligne et tout, voilà. Donc ensuite à cet étage là, je sais pas si on a du monde. On a personne, voilà. Donc ça c'est l'étage le moins sale parce que c'est celui où il y a le moins de monde. Voilà. Maintenant, désolé pour le camion. Le mâle, le papa, il arrive à monter et descendre. Le petit noir et blanc, il arrive à monter à descendre, et le marron, je sais pas, je l'ai pas vu monter encore. Donc ici, nous avons le loulou. Donc lui, il va super bien. Pour l'instant, il s'entend bien avec les deux petits mâles. Voilà, donc là, il y a le petit marron et blanc. Et le petit noir et blanc, les deux vont super bien, franchement. Voilà, il n'y a rien à dire. Ils sont toujours aussi speed, toujours aussi voilà quoi, curieux. Donc voilà. Donc on va passer à mes Donc oiseaux. Voilà les oiseaux. Désolé si vous entendez des voitures, mais j'habite sur une route assez passante en fait. Donc voilà. Donc Pepsi va super bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait été collé sur un ruban à mouche. Et franchement, ça ne se voit plus. Hein. Je vais essayer de vous le montrer s'il ne se tourne pas. Ouais, voilà, il se tourne. Ça ne se voit plus. Donc oui, le nid, il est sale. Parce qu'ils passent leur temps dessus. Voilà. Regardez-le, le loulou. Il est trop beau. Pepsi va super bien. Sweetie va super bien aussi. Et... je sais pas si vous allez voir. Pas que je me fasse péquer, ce serait bien. Regardez là. Regardez là. J'ai peur qu'elle me pèque en fait. Je vais essayer de zoomer en dehors de la cage pour essayer de me mettre en face. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je pense que vous allez rien voir. Ouais, on ne voit rien. On ne voit rien. Mais j'ai deux œufs. Donc voilà, j'ai deux œufs. Donc à l'éclosion et tout, je vous montre. Enfin, je vous donnerai des nouvelles des bébés si. S'ils survivent et tout, et tout, et tout, voilà quoi. Je sais que mes oiseaux, vous ne les voyez pas souvent. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Là, vu qu'il y a des œufs, je vais bientôt donner donner de la pâté aux œufs. Voilà. Pour qu'ils prennent des forces, et puis pour qu'après, une fois la naissance, qu'ils donnent à manger aux petits. Donc voilà. Ça, c'est une barre de graines. Pour oiseaux que je leur ai mis, j'ai plus l'emballage, que je leur ai mis et au bout de même pas une après-midi, il n'y en avait plus. Mais je leur laisse, hein, s'ils veulent, voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc mon chat va super bien, là je sais pas où il est, s'il est dehors, s'il dort, si... Donc je vais essayer de vous le trouver, de vous le filmer. Donc s'il est dans une autre pièce, je ne vais pas parler parce qu'il y aura mes parents. Mais je vais vous le montrer. Puis s'il est dehors et que je le vois, je vous le montre aussi. Donc voilà. Et je vais aussi vous montrer ma lapine
qui elle se porte à merveille aussi, elle s'est bien habituée à être dehors jour et nuit, donc voilà. Donc bah je peux parler hein, parce que là elle dort dans la chambre d'amis, elle aime bien se coucher sur le lit. Désolé pour le chien du voisin qui aboie, mais j'ai un chien qui a pas mal. J'ai un voisin pardon qui a pas mal de chiens. Et j'ai un autre voisin qui a deux chiens. Donc voilà, désolé pour le bruit. Donc voilà la minette. Donc elle va super bien. Je sais pas si vous allez l'entendre ronner vu qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Mon père doit faire des trucs dehors, je sais pas trop quoi. Ou les voisins, je sais pas. Parce que juste à la fenêtre, c'est notre jardin. Donc voilà. Oh, que c'est dur la vue de chat, que c'est dur. Oh, bah alors. Oh, je viens te déranger. Je viens te déranger. Bah alors. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc bah voilà pour Inaya, hein. Inaya. Ah oui, je vous ai pas redit les prénoms des cochons d'Inde. Parce que si vous vous en souvenez plus, parce que voilà. Donc les deux femelles, la noire et blanche, c'est Ambre. La marron et blanche, c'est Kofi. Le mâle, le père, c'est Angel. Les deux bébés mâles, ils n'ont pas encore de nom. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour le noir et blanc, je pense à Choco, mais voilà, je sais pas trop. Donc là, je la tiens, parce que sinon, elle va me sauter sur le bras. Vu qu'il y a le cordon, elle va me sauter sur le bras. Voilà. Les oiseaux, le mâle, c'est Pepsi. La femelle, c'est Sweetie. Donc là, c'est Inaya. Voilà. Qui fait la fofolle. Et Amor, ma lapine, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous me voyez bien. Je ne suis pas resté dehors trop longtemps donc pour vous montrer le lapin. Parce que il commence à pleuvoir tout simplement. Donc j'allais pas rester trop longtemps, voilà. Désolé pour le cochon d'Inde qui couine. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous.